Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Naruto X Boruto Ninja Tribes. Et on va parler de pas mal de choses avant de commencer le showcase sur Kakashi. Tout d'abord, on va parler des événements qu'il y a en ce moment. On a pas mal de choses. Et je vais vous montrer un peu ce qu'on a. Premièrement, c'est une vidéo un peu en retard par rapport à ce sujet, mais on a tout simplement l'événement de la célébration de la nouvelle année. Donc, on a pas mal de missions à faire qui nous permettent d'avoir des fragments universels SRUR, des coffres de pièces d'éveil, d'armes, de pièces d'armes d'éveil. On a des clés pour les coffres pour raccourcir leur temps. On a des trucs des coffres de promotion, etc. Des potions d'XP. On a aussi également des tickets. Moi, j'ai déjà rempli le quota pour le. Enfin, j'ai déjà rempli les missions pour ces tickets-là. Et on va partir invoquer avant de commencer le showcase. Et je vais également vous parler du retour de l'Alliance Team Battle concernant mon équipement. Concernant mon alliance. Donc on va partir invoquer. Tout d'abord, on commence avec la Free. Et pendant ce temps, je vais vous parler un peu des différentes récompenses qu'on a. Récemment, je vous ai dit qu'on pourrait fortement avoir une grosse nouvelle unité qui pourrait arriver. Mais non! Oh! Mais non, réellement? Oh, je m'y attendais pas. Oh, étonnant. Ah, oh, ça, c'est super. Des nouvelles unités. Je vous avais parlé de Kabuto, Tsunade, Madara, Mitsuki Sage Mode. Et donc, en fait, vous avais dit d'économiser. Donc, concernant les free-to-play, économiser parce qu'on pourrait avoir vraiment quelque chose de super intéressant. D'après les rumeurs, on pourrait avoir quelque chose pour le 30 ou le 31 décembre. Ok, doublons sur Tsunade. Que des doublons pour le moment. Ok, doublons sur triplons sur Tsunade. Bon, lui, je m'en fous un peu. En plus, j'ai eu 4 étoiles là. Ok. Wow. La multi, elle a l'air pas ouf. Après, c'est une free. Une free. C'est une free. Invoque, donc tranquille, à l'aise. On a des doublons sur Tsunade. C'est pas mal. Des fragments supplémentaires sur Tsunade. Et donc, je vous avais dit que plus ou moins on pourrait avoir différents. En fait, il y a tellement de possibilités que tout simplement, on verra avec le temps, bien sûr. Enfin, on verra d'ici les 2-3 prochains jours. Mais pour ma part, je pense qu'on aura soit un des persos des 5 Kage, si c'est vraiment, si les rumeurs sont vraies et ne sont pas fausses, on pourrait avoir un portail déjà sur ce 30 ou ce 31. Et qui plus est, on pourrait avoir une grosse unité telle que Madara, voire Mitsuki. Là, ça fait quoi? 2 mois qu'ils nous ont pas mis un personnage de Boruto? On va aller changer et on va commencer le showcase. Edit. Sachant que lui c'est un perso free to play. Lui que j'ai monté. Faut que je le monte. Faut que je le up. On va prendre ça déjà. Donc,
On va aller améliorer Kakashi avant de faire le showcase. Et on y go. Et donc on se retrouve dans l'event de l'Abyss avec la team. Ah, enfin avec l'amélioration maximum. Excepté pour deux sorts pour Kakashi. J'ai également monté 5 étoiles. Et donc on va partir faire un petit test de ses dégâts. De ces dégâts dans l'event. En sachant que on est je crois au 22e à la 22e étape enfin 22e tour. Donc ce qu'on va faire là, on va enlever ça. En sachant que c'est un type tech et pas un type offensif, on va pouvoir bien se focaliser sur. Ben non, on pourra pas se focaliser vu qu'il n'y a que des types attaquants. Donc c'est à contre-type. Donc on va faire ça. Voilà, en plus, c'est eux qui commencent. Donc. Point positif. Je commence avec l'aspect. Donc j'ai monté ses équipements jusqu'au niveau 35. Lui il est niveau 61, 5 étoiles. Oh là là, ah, je pensais pas qu'ils allaient me faire autant de dégâts. J'ai oublié de faire un petit truc. J'ai oublié de faire un petit truc. C'était l'erreur des débutants. Et l'erreur des débutants que j'ai faite, c'est d'avoir de ne pas avoir augmenté la SPD de équilibrement de tous mes personnages. Malheureusement, vu que j'ai pas une team full défensif, je vais me faire allumer. Donc on se retrouve à tout de suite pour une rectification de ce petit problème de SPD, de speed. Et on y go, juste après. Donc, j'ai fait un petit, une petite mise à jour sur la team. Du coup, on va pas aller le tester ici, parce que j'ai plus les bons persos, vu qu'ils sont quasiment tous morts. On va le tester ici. On va le tester sur un niveau un petit peu plus élevé vu que celui-là je l'ai réussi tranquillement. Donc 270 000. Donc 21 000 de puissance. On va dire quasiment du 22K. On est quasiment. Ils sont tous entre 4 et 5 étoiles, excepté pour le Sasuke Marque Maudite. Donc on y va, je suis à 214 000 de puissance. Et on va voir un peu ce que ça va donner. Donc voilà, là, normalement, a priori, je devrais commencer. Ah non, c'est lui. Ah. Et pourtant, je suis allé à fond, hein. Donc. Y a pas de type. Bon, on va focus L. Faire ça. Ouh, ça commence mal. On va faire ça. On va essayer d'éliminer le soigneur. Après, je vous promets pas un gameplay incroyable, hein. Vu que là c'est moi qui commence, dans tous les cas c'est une attaque de groupe. De toute façon j'ai même amélioré son attaque à lui, donc a priori je vais faire pas mal de dégâts. Ok, midlife c'est correct. Et là on va pouvoir essayer, on va faire ça. On va voir un peu les dégâts de Kakashi.
Shonen, Kakashi Shonen. Donc, du coup, ouais. N'oubliez pas 5 étoiles, équipement niveau 35. Concernant la vitalité, il y en a un qui est amélioré au niveau 15, un autre au niveau 8. Ok, 92K sur le même type, ça va, c'est correct. Ok, j'en élimine deux. Faut que j'élimine elle parce qu'elle va me poser de très très gros problèmes pour les soins et tout. En plus, je bloque son ulti. Ok. Une petite attaque de zone. Donc on a trois types différents. Je vais essayer de les regrouper. De regrouper ces deux-là. La gêne Shuriken. Ok, on est à 137K. Il m'a vite éliminé. Il m'a éliminé qui? Y a moyen qu'il m'élimine aussi. Ouais, c'était sûr. C'est dommage. La fameuse attaque. Donc Justin, et normalement là je devrais pouvoir. C'est moi qui commence. Donc en vrai de vrai, j'essaie de buter le Minato parce qu'il me pose un petit peu trop de problèmes là. Un petit peu beaucoup trop de problèmes. Donc les gars, n'oubliez pas de lâcher un maximum de pouces bleus, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être au courant des dernières vidéos concernant le jeu. Concernant tous les jeux d'ailleurs. Rejoignez-moi également sur Twitter et sur les réseaux. Ok, donc j'ai réussi à l'éliminer. Normalement là je pourrais éliminer aussi Jiraya. Ah dommage. Ok. Donc on va faire ça. On va focus lui. C'est lui qui va me poser problème en vrai. Ces dégâts, ils font un petit peu beaucoup trop mal. Je m'attends pas à des dégâts de fou parce que c'est. Ils ont plus de puissance que moi. Ouais. Fallait s'y attendre. J'aurais dû le monter encore un peu, Sasuke Eevee. Du coup, je les élimine. Il m'en reste plus que deux. En plus, il baisse mon chakra. J'avais la possibilité de les buter sur ça. Faut que j'élimine lui en fait. C'est le problème. De toute façon, j'ai des persos du bon type pour les buter. Ok. Ah, mais il avait son ultime lui aussi. Les deux, les avis, je pensais que c'était le Raikage qu'elle a enchaîné, mais non. Dans tous les cas, je les bute sur ça. Après, oui, je devrais le buter sur ça. Un type tech, deux types attaque. Ouais, c'est bon, impeccable. Donc, en soi, le personnage est intéressant. Amélioration de coup critique, du taux de coup critique. Dégâts monocyle, c'est dommage. C'est dommage. Que dire de plus du personnage?
amélioration de la vie, de la défense, des taux de taux critiques, vu que j'ai pas limit break, j'ai pas son fameux passif intéressant, donc je peux pas le voir à fond. D'ailleurs, en parlant de son passif, je pense l'avoir débloqué, mais je suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Non, j'ai toujours pas débloqué. Waouh, ça fait mal, ça fait mal. Le limit break va pas passer tout de suite. Il passera dans assez longtemps. Je pense d'ici 1 ou 2 semaines, je l'aurai. Ah oui, concernant mon alliance, on va prendre les mêmes horaires que la dernière fois. Concernant l'alliance Team Battle, et donc on va commencer avec les plus faibles, bien sûr. On va faire ça. C'est quoi déjà les horaires? Alors, BTW. Je crois qu'il faut qu'on prenne ça. Ouais, c'est bon. On va prendre 12h, 14h, comme ça nous fera nos horaires à nous. C'est en PST, donc je vérifie ça. Midi, 14h, PST. Ouais, c'est bien ça. Faudra prendre 12h-14h. Donc on sélectionne ça. Je pense qu'on va commencer avec lui. On verra par la suite, parce que j'en ai vu qu'il y en a certains, ils n'ont pas beaucoup de. Ils ont moins de vie que lui. Donc on a fait le showcase, on a parlé de la célébration de l'année, des rumeurs concernant les personnages, qu'il fallait économiser, que c'était le bon moment pour reroll, que l'alliance Team Battle est revenue, qu'il y a deux events supplémentaires pour Kakashi, Obito et Minato. Donc il y a énormément d'events pour gagner les récompenses, pour gagner pas mal de récompenses, que ça soit pour les équipements, que ce soit les fragments universels SRUR, que ce soit pour les éveils d'armes, etc., etc. C'est extrêmement complet. Donc, je vous invite à lâcher un maximum de pouces bleus, à me dire ce que vous pensez de la vidéo en commentaire. Et si la vidéo showcase vous a plu. Donc, je refais un petit récapitulatif du personnage. Niveau 61, 5 étoiles. Vitalité 13, 1, 5. J'ai pas monté à fond parce que j'ai pas toutes les ressources nécessaires. Je vais commencer à mettre un petit peu plus d'invoques concernant les invocations sur les Ryo là, pour gagner un maximum de potions d'élixir de vitalité. Là, comme je l'ai dit, niveau 35. Là, j'ai pas encore amélioré. Et donc, ici, du coup, on va améliorer ça. Ouais, j'ai pas amélioré à fond. Je pensais pas que j'allais tourner une vidéo comme ça sur lui. Donc, on l'augmente. Et de toute façon, quand je l'aurai 7 étoiles, j'en referai un autre showcase. Donc, tranquille. 6 étoiles ou 7 étoiles, ça dépend. Ok, il m'en reste deux, c'est pas un problème. Et donc, je pense avoir fait le tour. Niveau 61. Lui, je peux le monter.
Non, je peux pas encore le monter. L'année 95. Remarque, si je peux le monter 5 étoiles, donc je pense en faire un showcase prochainement. Ça dépend. En fait, j'attends dans les 3 prochains jours. Si on a bon, si on a un nouveau portail, je mettrai sur le nouveau portail. Si, parce que là, il y a... ah oui, j'ai oublié de vous parler d'un autre truc. Il y a une campagne sur Twitter, sur leur page. Donc on va basculer sur ça. J'ai complètement oublié de vous tenir au courant sur ça. Donc on va basculer sur ça. Attendez juste quelques secondes. Donc. Donc voilà, je sais que la vidéo est très longue, mais fallait que je vous parle concernant les 3500 Shinobicon qui vont arriver là. Donc voilà la petite vidéo promotionnelle. J'enlève juste le son de du jeu. Et je vous montre la vidéo. つながりだ。俺はこの強さを未来へ託す。俺たちの新たな連携見せてやるってばよ。ナルトクロスボルト忍者トライブス、今すぐダウンロード。バンダイナムコ。俺の強。Donc, comme vous l'avez vu, il faut 2000 RT en, donc 2000 RT et combien de juste 2000 RT c'est tout. On a 900, on a 1100 retweets là. Donc ils ont dit ah non, il y aura que 500 Shinobicoin. Ok, bon, on verra par la suite. Parce que je pense il y aura un autre truc, parce que là, il y a écrit 1 sur 6. Donc, il n'y aura pas que ça. Je pense qu'ils sont en train de se préparer pour les 1 an du jeu. Parce que ça sera le 1-6. Ça sera au 1-6. Le 1-6, ça sera la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises. Ouais, milieu de la semaine prochaine. Donc là, on est lundi, ça sera mercredi de la semaine prochaine. On aura pas mal de récompenses, pas mal de nouveaux trucs à voir. Donc, je vous tiendrai au courant. Là, ils ont dit qu'il y aurait 500 Shinobicon. Je trouve que c'est pas du tout suffisant. Je pense que c'est plutôt 3500. Non, non, c'est bien 500. Je trouve ça un peu bizarre. Parce que dans le V-Jump, ils avaient annoncé 3500. Donc on verra par la suite ce que ça va donner. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de lâcher un maximum de pouces bleus. Abonnez-vous à ma chaîne. Rejoignez-moi sur mon Discord et sur mon Twitter. Comme ça, vous allez être au courant des dernières nouveautés concernant Naruto, One Piece Venture Rush, Kimetsu no Yaiba, My Hero Academia également. Ciao, prenez soin de vous et à la prochaine. Peace.